parle aujourd'hui d'une maladie d'identification relativement récente qui s'appelle le lymphome anaplasique à grandes cellules associées à la présence d'implants mammaires. C'est une maladie qui touche bien entendu le plus souvent des femmes, mais pas seulement, et qui a été décrite pour la première fois en 1997 dans le monde. En France, le premier cas semble avoir été décrit en 2009. On a donc une dizaine d'années de recul, d'observation. Et au 25 novembre 2018, on avait identifié sur le territoire national 56 cas de femmes associées à des implants mammaires. Cette fréquence, elle semble relativement modeste, mais avec le temps, nous sommes aujourd'hui assez persuadés que nous sommes face à une sous-déclaration de ces cas. Il faut donc que les professionnels de santé soient en alerte, qu'ils soient chirurgiens, radiologues, pathologistes. Cette nouvelle maladie existe. Elle a trouvé toute sa place en 2016 dans la classification internationale des lymphomes. On sait maintenant en distinguer deux grandes formes. Une forme très localisée qui tapisse la prothèse, qu'on appelle in situ, très localisée. Et une forme plus étendue, plus évolutive, qu'on qualifie d'infiltrative ou encore de masse, qui prend du volume et qui peut atteindre des territoires adjacents, voire des territoires à distance. D'abord, il faut avoir des prothèses mammaires. Elles peuvent avoir été implantées tout récemment ou de façon très ancienne. Elles peuvent survenir après une seule implantation ou après des implantations itératives, et c'est d'ailleurs le plus souvent le cas. Elles peuvent survenir dans le contexte de l'esthétique, ce qui représente à peu près 80% des femmes qui sont implantées, ou dans les suites d'un cancer du sein, s'inscrivant alors dans le cadre d'une reconstruction mammaire. Les signes d'appel se résument à une gêne au niveau du sein, une augmentation de volume, qui est en général en rapport avec un épanchement, un prurite peut caractériser la maladie, et puis une rougeur, un érythème, voire une tumeur. Donc tous signes qui doivent alerter. Alors bien sûr, les causes les plus fréquentes ne sont pas le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires. Les causes les plus fréquentes devant ces manifestations sont la rupture de prothèse, sont l'infection, sont une malformation de la prothèse, un mouvement de la prothèse qui peut créer ce type de symptômes. Mais il faut savoir l'évoquer. Il faut que le radiologue sache l'évoquer s'il est consulté, que le clinicien, gynécologue, chirurgien, médecin traitant puisse penser à cette maladie et donc aller jusqu'au bout et ne pas laisser évoluer un épanchement, une gêne, une douleur qui n'aurait pas trouvé son étiologie, sa cause. Les méthodes pour faire le diagnostic reposent sur la ponction de ce liquide avec une visée d'analyse cytologique, c'est-à-dire de recherche de cellules anormales dans le liquide périprothétique, liquide qui va contenir des cellules anormales qui vont exprimer une protéine, un antigène qu'on sait bien caractériser aujourd'hui dans le cadre de cette maladie. Et puis quand la ponction est négative, il faut savoir la répéter. Et si on n'aboutit pas au diagnostic et que l'épanchement ne régresse pas, augmente de volume, alors il faut opérer ces femmes, il faut procéder à l'ablation de la prothèse, il faut enlever toute la capsule qui entoure la prothèse. Dans les formes tumorales, le diagnostic est plus facile puisqu'on a une masse ganglionnaire ou pectorale ou musculaire, voire extra-ganglionnaire à prélever, et là le diagnostic rejoint celui qu'on a l'habitude de faire dans les diagnostics de lymphome sur un tissu tumoral. Ceci dépend du bilan d'extension. Dans la très grande majorité des cas, plus de 3/4 des cas, on est face à des formes très localisées et la chirurgie, qui inclut l'ablation encore une fois complète de la capsule, peut résumer le traitement. Lorsque la maladie est plus étendue, qu'il s'agisse d'une maladie loco-régionale ou d'une atteinte plus à distance, on considère aujourd'hui que la chimiothérapie a toute sa place dans la prise en charge de ces femmes.
Pour guider cette chimiothérapie, il faut disposer d'un bilan d'imagerie extrêmement précis qui repose en général sur une IRM et un PET scan, quelques examens biologiques. Les choses sont assez simples et devraient, avec le temps, être assez bien codifiées. Le traitement aujourd'hui de ces femmes, il est conçu, recommandé dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale qui a été mise en place en 2016 et qui réunit des professionnels de santé, des chirurgiens, des pathologistes, des radiologues, des radiothérapeutes, des imageurs, des médecins nucléaires, des oncologues, donc de telle façon que tous les métiers de la cancéro-hématologie soient réunis autour de ce sujet. C'est une RCP que j'ai le privilège de coordonner et qui fonctionne très bien, qui est mise en alerte au cas par cas quand un nouveau diagnostic sur le territoire national est posé et validé dans le cadre du réseau Lymphopat. Ce qui résulte des premières analyses dont on dispose aujourd'hui, nous, mais aussi beaucoup d'autres équipes à travers le monde, c'est que ce sont avant tout des prothèses rugueuses, on dit texturées, et ces prothèses texturées sont macro-texturées, donc elles sont rugueuses au sein des prothèses rugueuses. Et une texturation particulière, qui est un processus de texturation particulière appelé processus Biocell, qui a été mis sur le marché il y a un peu plus de 20 ans, semble être plus souvent en cause. On est à peu près 70-80% des prothèses qui ont été mises en place, dont on a connaissance un peu dans le détail, qui sont des prothèses texturées, et la majorité de ces prothèses texturées l'ont été avec un processus Biocell. Ce qui fait qu'on est raisonnablement en mesure de donner une alerte et de demander à ce que ces prothèses texturées Biocell de la marque Allergan soient définitivement ou peut-être simplement transitoirement, le temps de récupérer plus d'informations et d'analyser plus de données, retirées du marché, ou du moins il faudrait qu'elles ne soient plus implantées aux femmes, dans la mesure où il y a une forte suspicion de relation entre l'implantation de ces prothèses et la survenue d'un lymphome.